Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Montre-moi tes bourses reptiles, donc l'édition numéro 9 sur la bourse de Vichy. Donc la bourse de Vichy qui est quand même une très grande bourse, hein, qui est environ, je crois, peut-être 2 à 3 000 personnes qui passent à peu près, je crois, hein, j'ai pas les chiffres, mais il y a vraiment beaucoup de monde sur 2 jours. Ça m'a permis d'aller voir également de la famille, donc qui habite au Moyen Montagne, pas bien loin, et de la famille que je vois très peu. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups et ça m'a fait plaisir de voir un peu plus ma petite cousine Majorette que je vois pas vraiment souvent. Et donc non, franchement sympa. Après, la bourse en elle-même, dans une salle de gymnase, bon, c'est pas très original, mais c'est quand même une salle assez conséquente, c'est quand même pas mal de place. Que ce soit pour les exposants, que ce soit pour les visiteurs aussi, c'est vraiment zen. J'ai pu faire la connaissance donc de Nono Turtle, donc qui est vrai, que je connaissais pas du tout. Et enfin, je le connaissais de réputation, on va dire. Parce qu'on fait exactement la même chose et on a la même optique. Et comme je dis, il y a que les montagnes qui se rencontrent pas, donc on a fini par se rencontrer pour la première fois, et c'est vraiment quelqu'un qui est fidèle à lui-même, que ce soit sur les réseaux sociaux comme en face, et une très belle rencontre, quelqu'un vraiment de sympa. Il m'a présenté également Venom Croc, donc son ami qui ramenait donc vraiment des animaux hors du commun. Il faut dire ça comme ça, hein, franchement c'est deux passionnés mais hors normes, on va dire. Ils n'hésitent pas à faire des kilomètres pour rien vendre, en fait. Ils font des kilomètres pour de l'expo et ça fait vraiment plaisir à voir, parce qu'on est vraiment très peu à le faire. Parce que bon, la vente, trouver des vendeurs, c'est bien quand on veut acheter un animal, tout ça, mais avoir des bons conseils, avoir des bonnes astuces, avoir que ce soit des conseils sur le maintien comme la législation, très peu le font. La législation dit que normalement on doit fournir un dossier complet sur l'animal que l'on vend, ainsi que les fiches de maintien de l'espèce. Je les vois pas. Enfin, moi j'en fournis, mais les autres je les ai jamais vus en fournir. Peut-être sans doute certains, mais voilà. Eux, ils sont là pour de l'information et ils rigolent pas avec ça. Pareil pour moi, c'est de l'information. Voilà, l'information, la prévention, c'est ce qu'on fait. Voilà. Mais c'était voilà deux belles personnes vraiment sympas à connaître, à rencontrer, et j'espère vraiment les revoir plus tard et même faire des formations chez eux aussi, parce que bon, ils sont capacitaires, je ne le suis pas, et c'est vraiment des personnes de qui je peux apprendre énormément. Donc vraiment une très belle rencontre. Après, j'ai revu aussi les amis habituels, donc Nat, l'Afrika aussi, Tortue Shopping aussi, Jordan, Jaffrelo de Reptile Gecko, l'association de l'ATM, enfin plein d'amis et tout machin. Donc vraiment, ça, vraiment sympa sur 2 jours. Vraiment très épuisant, parce que sur la route du retour, j'ai vraiment eu pas mal de... Enfin, j'ai eu du souci quand même pour rentrer, parce que j'étais vraiment très fatigué. Ça a mis un peu de temps. Dio était là aussi en expo avec nous. Alors, c'était pas prévu de base que je l'emmène, et je me suis dit, je vais l'emmener pour montrer la taille adulte de le Blepharis macularius, donc le gecko léopard. Et j'ai remarqué un truc étonnant, et quand j'y repense, ça m'étonne pas de lui. Quand j'avais Dio dans les mains, les gens venaient. Quand je le remettais dans le présentoir, en fait, les gens repartaient. Comme s'il attirait vraiment les personnes, c'était impressionnant. Gecko vraiment très calme et qui est pas stressé du tout. Malgré tout le monde qu'il y avait autour, c'était impressionnant, le public l'a adoré, on va dire, hein. Et même des personnes sont vraiment intéressées par ces petits, justement, suite à ça, en ayant vu lui, hein. Donc c'est vraiment très impressionnant, c'était un gecko formidable, quoi. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de l'emmener. J'avais pris également Nia, donc le Blepharis macularius classique, donc classique pure souche. On trouve du classique actuellement sur le marché, mais du pure souche, donc ça veut dire non altéré par aucun gène, hétérozygote derrière, c'est vraiment très rare. Et donc je suis content de l'avoir, donc de l'avoir pu la montrer, d'avoir pu montrer aux gens les couleurs vraiment de le Blepharis macularius dans la nature. C'était quand même très intéressant. Elle a eu des propositions d'achat, mais elle n'est pas à vendre, bien sûr. Voilà, donc non, franchement, expo sympa, beaucoup de demandes sur le niveau des informations sur les tortues, les geckos, d'autres reptiles aussi, parce que j'en possède d'autres. Vraiment sympa, beaucoup de bonnes rencontres, et vraiment une bourse que je referai l'année prochaine sans hésiter, et je vous conseille vraiment d'y aller, même si vous venez de Paris et que ça fait 4 heures, allez-y.
Ça vaut le coup sur les 2 jours de prendre un pass 2 journées et de le faire sur 2 journées. Ça fait un petit week-end tranquille, mais franchement, ça vaut le coup. L'équipe d'organisation aussi est bonne, vraiment bien organisée. Quand on arrive sur place, on est vraiment aidé. Voilà, donc franchement, c'est une bonne association. Donc, l'association aquariophile et terriophile de Vichy, donc l'ATV. Donc, voilà, non, vraiment sympa. Donc, je vous recommande d'y aller. Allez, on se retrouve pour une prochaine édition.